puis marocain, et puis par la suite même international, ce qui démontre encore une fois l'intérêt de l'investissement dans la culture, parce que quand on investit dans la culture, finalement, on investit dans l'humain. Ce festival a apporté beaucoup de choses à Sora, parce qu'à travers ce festival-là, une dynamique culturelle s'est installée dans la ville. Plusieurs festivals sont maintenant organisés tout au long de l'année. Vous pouvez venir à n'importe quel jour de l'année, il y aura un festival à Sora. Et ça crée une dynamique derrière économique, sociale, ce qui permet à la ville de se développer, d'évoluer. Aujourd'hui, on est passé à quelques hôtels il y a 25 ans, à plusieurs hôtels aujourd'hui, donc plusieurs investissements, plusieurs restaurants, des touristes, des avions qui viennent ici, et donc des Marocains et des Marocaines qui peuvent vivre par la culture. C'est ce que je disais tout à l'heure, la culture, c'est l'humain, et l'humain, c'est la paix. Et aujourd'hui, dans la 25e édition du festival, on va manger le gâteau. On va manger le gâteau de 25e édition d'abord. Alors, on est déjà, je suis très fier parce que c'est la 25e édition, il doit être avec les jeunes Gnawas qu'il va partager la scène avec des grands, grands, grands artistes. Maintenant, un show qui va être demain, vendredi, au Borj, à la scène de le Borj, avec un grand artiste de Sénégal, un grand, grand, vraiment, c'est un grand. Quand je dis un grand, c'est un grand, grand artiste qui s'appelle Ablaye Sissoko, qui joue de la kora. Et vous connaissez déjà, Sénégal, Maroc, c'est de l'Afrique. On connaît déjà, tu vois, on a déjà joué dans les répétitions. La première fois à Pâques, ça a été déjà, tu vois, parce que c'est l'africanité et c'est ça qu'on veut, tu vois. Le partage de les pays africains, le Maroc c'est l'Afrique, le Sénégal c'est l'Afrique, tu vois. On voulait que la culture noire, on est parti de cette culture-là. Et le festival, vraiment, il a fait un grand, grand effort toute la 25e édition-là. Et moi, je suis un de le bébé, tu vois. Le bébé, j'ai 33, mais presque le festival, j'ai passé déjà tu vois, beaucoup des éditions que j'ai passées dans le grand festival. Et je vois les musiciens sur scène et j'ai dit, ah, bon, un jour, je dois être dans cette scène-là. Et voilà, on est là maintenant. On a passé les défilés, ça a été passé vraiment excellent. Et l'énergie des Sawera, l'énergie des Gnawa, vraiment, même les gens qui sont venus, tu vois, peace. Ils veulent que venir à Sawera, ils prennent une bonne énergie. Et ça nous fait vraiment un plaisir. Et vous, tu vois, c'est à vous de partager à les gens qu'est-ce qui se passe à Essaouira, qu'est-ce qui se passe avec les Gnawa. Et grâce à vous qu'on est là, et grâce au festival Gnawa, et aussi à les gens qui aiment les Gnawa.